Suivez cette scène jusqu'à la fin. Cette jeune fille sort du véhicule. Le monsieur tient un miroir à la main. À la vue de ce miroir, elle commence par crier. Le monsieur est étonné. Son copain également est étonné. Elle continue de crier, puis le monsieur a retourné le miroir et elle s'est calmée. Il l'a retourné encore vers elle et elle continue de crier. C'est incroyable! Son copain étonné s'est descendu du véhicule. Il court vers elle pour voir ce qui se passe, mais le monsieur lui dit de ne pas la toucher. Il lui dit que cette fille est possédée. Qu'elle est qui pour lui? Il dit qu'elle est sa copine. Le monsieur lui dit que c'est sa copine et il se prépare pour le mariage, mais qu'elle a un problème spirituel, qu'elle est très possédée, que c'est pourquoi elle a peur à cause de ce miroir, que si elle fait face au miroir, qu'elle commence par crier. L'homme a tourné le miroir et elle crie encore. Il dit qu'elle n'aime pas voir le miroir. L'homme commence à prier. Il a donné le miroir au conducteur.